Nous nous retrouvons à la page 118 et la page 119 du livre Piloti. Nous allons aujourd'hui passer à la page 119, lire les syllabes, les mots, le texte et ensuite faire la petite partie « Je manipule des lettres ». Tu es prêt? Tu es prête? Alors je te laisse lire les syllabes tranquillement, puis les mots et le texte. Et ensuite, nous ferons tout cela ensemble. D'accord? Allez, à tout de suite! Lisons ensemble les syllabes. On y va? 1, 2, 3. Ose, as, is, usi, use, isa, iso, usé. Ça, c'était pour le petit point rose. Passons maintenant au deuxième petit point rose. 1, 2, 3. Euse, ison, oise, asin, ouse, ésor, oseau, osan. Maintenant, un tout petit peu plus vite et nous allons faire les quatre lignes. 1, 2, 3. Ose, as, is, usi, use, isa, iso, usé, euse, ison, oise, asin, ouse, ésor, oso, osan. Voilà pour les syllabes. Maintenant, passons à la lecture des mots. Dans la première colonne, nous allons retrouver ose. J'ose une rose, je pose. Dans la deuxième colonne, is. Grise, une prise, une chemise. La troisième colonne, as. Un vase, une case, la base. Et la quatrième colonne, euse, une coiffeuse, une danseuse, une chanteuse. Ça va? Allez, maintenant, lisons ensemble le texte. Tu essayes de lire en même temps que moi. Aujourd'hui, mes cousins visitent un musée sur les dinosaures. Mon cousin voit un tyrannosaure et dit à sa sœur: écoute ma devinette, ce dinosaure mesurait de 12 à 14 mètres de long et 5 à 6 mètres de haut. C'était l'un des plus grands carnivores. Quel est son nom? Ma cousine sourit, elle a deviné. Et maintenant, terminons par « Je manipule des lettres ». Changez la lettre ou les lettres colorées par là où les lettres proposées et dire le mot nouveau obtenu. Voilà la consigne qui se trouve dans le petit cadre gris. Cousin, si je remplace le S avec deux S, qu'obtient-on comme nouveau mot? Coussin. Case, si je remplace la lettre S par deux S, nous obtenons casse. Poisson, si j'enlève un S, nous obtenons poison. Il visse, j'enlève un S et j'obtiens il vise. D'où l'importance de savoir s'il faut en mettre un ou deux des S, et si on veut obtenir le son Z ou le son S. Et bien voilà, nous avons terminé dans le livre Piloti, et nous allons pouvoir passer au fichier. À tout de suite !